73-51 à tous. Alors, depuis bien une heure et demie, il y a les départements français qui passent. Je me décide seulement maintenant. Et si c'est trop tard, mais c'est pas grave. Attention les stations fréquences pour Dindy 33 qui lance appel depuis le département de la Gironde. Je commence par là plutôt qu'en BLU car je trouve. Voilà, je trouve ça plus intéressant. Oui, affirmatif, les bottes 73-51 retournées, Dindy 33, 14 km 33-01, à côté de Castillon-la-Bataille, Saint-Émilion. Ah bah tu m'étonnes, à 57, si c'est pas à toi que je réponds. Ah, je chie trois coups. Ah bah ça fait plaisir de s'entendre là, ce coup-ci de ce côté-là plutôt que des écrits. Ça fait le yo-yo. Ouais, ça fait le yo-yo, et puis il y a du monde, hein. Ça se bouscule au portillon derrière. Enfin, de mon côté, ça fait, c'est pas trop en cacophonie, mais ça fait un espèce de brouhaha tellement qu'il y a de monde derrière que c'est pas évident à sortir. Oui, Pascal, les 73-51, Rémi, Dindy 33. Wow, ça a été très furtif. Il y a une station qui t'a marché dessus. Wow, 58 là au QRA. Département 08, si j'ai bien compris. Ah ouais, c'est du 58 là, ici, sur le département 33. En plus, je suis dans une cuvette, hein. Donc là, ça, la propague est vraiment là, quoi. Cette surmodulation, HI 3 coups, les 73-51 retournés, moi c'est pareil, je vais me balader un petit peu en fréquence, voir un petit peu à droite ailleurs, voir sur la fréquence des kilomètres, monter au premier étage. Je sais que le Québec nous entend, c'est puisque j'ai eu un message de 9 bravo Charlie 555, donc lui il entend la 14, mais inversement ça n'a pas l'air d'être top, à moins que là de suite maintenant présentement, HI, ça se soit ouvert. Enfin, ouvert dans les deux sens. Ok, les bottes sont très retournées et à plus tard. Hop, la division. Oui, la division, les 73-51 du département 33, sud-ouest de France. Alors certains disent que le DX, ça se pratique uniquement qu'en BLU, pas forcément. Là, il y a un petit côté un peu plus... aller à la pêche. Enfin... Bon d'accord, mais moi je me suis pas compris dans ce que je viens de dire. Wow, oui, les 73-51, je m'apprêtais à tourner le bouton pour aller voir sur d'autres fréquences, mais non, du coup, j'ai resté un peu là. Ça fait le yo-yo. Bon, d'accord, je vais me balader, je reviens. Thank you.
Aïe, on va être gêné là. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur EMI, qui lance appel depuis le sud-ouest France, département de la Gironde, sur la fréquence monitor des kilomètres. C'est QRP ça. Ah, il me semblait entendre quelqu'un en QRP, les 73 retournés, 14 km, 3301, Rémi, mais je suis même pas sûr que ce soit une station française qui ait répondu, tellement que c'est QRP de mon côté. Non, peut-être pas. Bon, on dirait que j'arrive pas après la bataille. CQO, CQO, CQDX, appel en direction de 9 Bravo Charlie 555. 9 Bravo Charlie 555 pour 14 km 3301 Rémi qui te lance appel depuis le sud-ouest de France. Ok, j'y vais. Ouais, la station qui m'a répondu, les 73 14 km 3301 Rémi d'Indy 33 sur le département de la Gironde. Attends, que je puisse te clarifier, vas-y, reviens-moi. Attention, la station qui m'a demandé de faire QSY sur le 27635. Tu veux qu'on remonte encore? Bon, ok, à 645, c'est parti. Attention, la station pour 14 km, 3301 Rémi, pour le QSY. Ah, je suis toujours là, les 73 retournés, 14 km, 3301, voilà, sur le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Ah, il y a eu un petit millimélo dans les stations, ah désolé. Ok, je vous laisse alors avec la station avec qui vous avez fait QSY, et mes excuses. J'ai un petit peu de mal à vous sortir. Côté audio, là, c'est un petit peu... Pourtant, le signal est bon, mais l'audio, je ne sais pas ce que vous avez comme micro, mais on dirait que la modulation est étouffée. Ah, oui, il était un peu trop poussé, non, peut-être, non, c'est ça? Eh, hey, faut pas se brosser les dents avec, hein. On entend beaucoup moins bien après. Hachi trois coups. Donc, donc voilà, je me représente. 14 km 3301 Rémi. Voilà, sur le sud-ouest de France, sur un petit village qui s'appelle Sainte-Colombe, à côté de Castillon-la-Bataille, Saint-Émilion. Voilà, avec un grand, grand beau soleil, puisqu'on a 41 degrés là, ici, sur le QTH. Ok, d'accord. Ah bah ça va. Oui, j'ai remarqué que depuis 1h45 au moins, là de mon côté, là ça passe sur les départements français et tout. Là c'est arrivé d'un coup.
C'est au départ, je vais l'Italie, l'Espagne, j'entendais surtout ces coins-là. Puis paf, ça a tourné sur le département français. Bon, j'étais un peu pris par ailleurs, et c'est seulement maintenant que là je me décide. Mais bon, là je vais pouvoir en profiter un petit peu. Hachi. Alors les conditions de trafic là de mon côté, ben, je suis avec un petit Yazoo FT450AT. Oh, qui a bien 14 ans déjà. Et sur antenne verticale, une Sigma Mantova 8 qui a le même âge. Hachi, en retour. Ok, René, dans très bonnes conditions. Hein. Moi, c'est une vieille base Albrecht des années 80. Hein. C'est 25 watts. J'ai un petit micro Yazoo dessus. J'ai un equalizer Kenwood. Un petit BD131. Et puis une Mantova Turbo aussi hein, sur une échelle télescopique à 8 mètres du sol. Là. Ok, d'accord. Eh ben tiens, on a la même antenne. Et pour l'échelle, c'est une excellente astuce. Et c'est vrai que je vois sur le forum La Planète Sibi francophone, il y a des sujets justement là-dessus. Certains cherchent comment s'installer en fixe et tout ça, mettre l'antenne sur le toit et tout, ça les enchante pas trop et tout. Et c'est vrai que plusieurs fois je leur dis comme ça, ben pourquoi prenez pas une échelle télescopique. Vous montez, vous descendez l'antenne comme vous voulez, vous la mettez contre la façade, et puis voilà, le tour est joué, et puis c'est facile à fixer ça. J'ai une petite cour derrière chez moi, j'ai rentré les chaises, je suis monté dessus, et tout fait en tête, et puis ça marche bien maintenant. Ah ben oui que ça marche bien, ben bien sûr, tiens. Et en plus de ça, quand je sais pas à quelle hauteur fait votre échelle, mais dans des cas où de très grande échelle, eh ben ça permet de monter un peu au-delà du raisonnable, hachi, pour la redescendre après une fois qu'on a fini le DX. Ah ben c'est parfait, hein. Là j'ai monté un tube, le maximum que je pouvais monter, parce que la Mantova est lourde quand même. Des fois, il y a eu un coup de vent, là, il y a eu une tempête, j'ai juste le temps de la rattraper, autrement elle était couchée par terre. Aïe. Bon, j'ai juste le temps de la descendre, là, voilà, mais bon, ça fonctionne bien, hein. Et tant que QSO, pendant au moins 1h30 avec une station, là, un routier qui était sur Bordeaux, là, il était en train de rouler sur l'autoroute, on a discuté pendant presque 1h30, là. Ok. Et vous avez son QRZ? Ah zut, on dirait que la propague là est en train de s'amuser avec nous parce que là du coup là j'ai pas eu Roger du tout là. Olivier, d'accord, ok. Ouais non, ça me dit il faudra que je rentre sur le forum, on sait jamais. Mais là comme ça là de suite ça me dit rien. Parce qu'il y a Barracuda 56, 14 Kilomac 56, je sais plus combien, qui lui aussi se balade pas mal entre le nord et le département de la Gironde. Et il est également en DX. Si ça se trouve, il est peut-être derrière la porte en train de nous écouter. Hachi. Donc c'est pour ça qu'au premier... le premier truc que ça m'a fait, c'est de penser à lui. Je crois que c'était lui, pour le coup. Et je bafouille. Oui, bah après, c'est pas grave, on va discuter avec tout le monde, ça fait plaisir, c'est juste pour la radio, hein. Franchement, c'est pas ça d'installation, ça fonctionne bien, ça aime bien, ça reçoit bien, c'est un plaisir. Hein. Ah ben tout à fait, de toute façon c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, hein, c'est clair. Hein. Par contre, si je peux me permettre, au niveau là pour le puisqu'il y a, vous avez un micro qui est réglable, il est très très dans les médiums au niveau de la tonalité du micro. Et ce qui fait que c'est s'il n'y a pas une bonne propague, si le signal n'est pas assez fort, c'est un petit peu ça peut être un petit peu difficile à l'écoute car il est vraiment dans les médiums hein, comme au niveau du réglage. Ah ben, je vais pas trouver au milieu alors je vais pousser un petit peu du côté là, alors je vais pousser un peu plus dans les aigus là, c'est pas si ça bouge de votre côté.
Oh, mais ça vient pas de la force du micro, hein. Ça vient pas de la puissance du micro. Tiens, c'est descendu à 55, là, maintenant. C'est au niveau du réglage de tonalité du micro. Je sais pas si, s'il y a des réglages dessus de ce côté-là. Mais c'est tout juste comme ça, une petite indication en passant, hein. Autrement, pour moi, du moment que ça fonctionne, c'est le principal après, hein. Voilà, hein, du moment qu'on peut se parler. Chie. Tiens, justement, à propos de la Mantova 8, ces jours-ci, là, j'ai grimpé le long de mon mât, là, pour aller travailler un petit peu dessus. Je voulais faire une maintenance sur la totalité de l'antenne, entièrement la démonter et tout ça, gratter les différents éléments et tout ça, et tout remonter. Ah, j'ai pas pu la déboîter du tube. Je dois avoir de la crasse qui a dû se mettre entre l'antenne et l'emboîtement du tube. Enfin, dans l'emboîtement de l'antenne sur le tube. Voilà, j'y arrive. J'ai essayé de j'ai forcé comme un âne dessus, impossible de la décoincer. Gars. Enfin bon, ouais, dessus j'avais un petit souci et du coup c'était juste la PL qui était dévissée. Bon, je l'ai bloqué un petit peu à la pince comme ça, tac, là c'est bon et c'est reparti là pour une quinzaine d'années. Hachi. Ah bah moi j'ai déjà planté la mienne, j'ai déjà planté le clavier, mais par contre j'ai certains radiants là. Elle m'a échappé de là, j'ai échappé un radiant à des autres par contre. Ah, et du coup, tu vois, si j'ai bien compris, tu les as pétés, ceux-là. Bon, j'imagine que tu t'en es refait d'autres. Non, mais bien sûr, il m'en manque un juste, hein. Il m'en manque juste un que je vais réparer, là, bien sûr. Hein. En fait, je vais le porter, je vais le rentrer dedans, hein, puis ça va. Ok, d'accord. Par contre, j'imagine que vous allez vouloir profiter un petit peu quand même là, du DX. Je vais pas vous monopoliser plus longtemps. Et puis moi, je vais faire pareil. Hein. Je vais essayer d'en profiter aussi. Et à moins que vous voulez qu'on continue le QSO, je sais pas. On profite du DX chacun de son côté ou on continue comme ça? Ok, moi j'aimerais bien en profiter un petit peu. Ça me changera des QSO locaux. Hachi, quoique j'ai rien contre le QSO locaux, hein, même en grand local comme on fait là, hachi. Mais bon, c'est vrai que là j'ai un petit peu la bougeotte là aujourd'hui, et j'ai un peu envie là de me promener un petit peu à droite à gauche. Autrement, je sais pas si vous connaissez le forum La Planète Sibi Francophone. Bon, j'en suis l'administrateur. Donc si vous voulez pas mal, si vous cherchez des infos là sur la Mantova et tout ça, et puis autres sur sur la base, là qui date des années 80, il n'y a pas de problème, il y a tout ça dessus. Hein. Oui, oui, affirmatif. Ok, ça marche. On va faire comme ça. On va profiter là de. On va aller surfer un petit peu là sur les ondes. Hachi, merci pour le QSO. Les bandes 73-51 à vous. 14 kilomac 33-01. Rémi, Dandy 33 sur le département de la Gironde. Et à très bientôt. Merci beaucoup, Rémi. La bonne soirée. Merci beaucoup. La Merci beaucoup, tout ça retourné. CQ DX, appel en direction du Québec-Canada, appel en direction de 9, bravo Charlie 555 pour 14 km 33-01, Rémi, qui te lance appel? Per la 1 e possibile interrogativo.
Les 73 de la Champagne-Ardenne du département de la Gironde. Bon, ça passe pas. Wow. C'est ok. Rémi, tu peux me revenir avec ton indicatif, s'il te plaît? Ah, c'est pour le coup que tu breaks, vu que je m'appelle aussi Rémi. Là, pour le coup, je perds l'OM. Break pour un autre Rémi. Et je craque. Ok, bah l'autre Rémi alors. Avec le gros bip derrière. Amitié 73 de 14 Alpha Alpha Tango 913. 14 Papa Alpha Tango 913. Ah chi. Oui, en plus c'est bien ça, je suis aussi Rémi. J'étais en train de naviguer un petit peu là et j'entends Rémi, mais si tiens, ça m'a interpellé sur le coup. Les 73 à vous, 14 Kilomac 3301, opérateur Rémi, sous le département de la Gironde, sur le secteur de Saint-Émilion. Ok Rémi, pas de problème pour Saint-Émilion. Voilà, donc pour moi c'est 14, Papa Alpha Tango 913, opérateur c'est Christophe. Et pour moi le département 02, hein, la ville de Villers-Cotterêts, voilà, dans l'Aisne, proche de la ville de Soissons, hein, Rémi, tu es là? Ah oui, c'est tout là-haut, en haut à droite. Effectivement, eh ben tiens, là on fait la diagonale. Ok, d'accord. Eh ben, en espérant que vous n'ayez pas trop chaud de votre côté, parce que moi ici, là, sur la Gironde, ben, c'est 41 degrés qu'il y a. Et ils annoncent plus chaud demain. Alors pour la petite anecdote, là aujourd'hui j'avais pas trop envie de prendre le micro avec la chaleur qui fait, ça calme. Et quand j'ai commencé, là ça va faire 2 heures là que le département français passe, et j'ai fini par craquer. Je me suis dit non, je peux pas laisser passer ça, faut que je prenne le micro. Hachi, retour. Ok, ouais, bah moi j'étais en train de regarder sur ton historique. Je suis allé allumer pour voir si elle est en contact, parce que là ça fait quand même quelques jours qu'on avait pratiquement rien ou très peu quoi. On a un peu, moi j'ai fait un peu hier l'Amérique du Sud, mais on n'entendait plus personne pratiquement, et la pompe est très très basse. Mais là, Rémi de mon côté, c'est 9 plus 10, super radio de 5, hein. Ça passe très très bien Rémi. Hein. 9 plus 10, ah bah, de toute façon, la propague est là. Hein. Et là, ouais, c'est un bon Santiago 9 de mon côté, une très bonne radio de 5 également. Et moi, là, pour le micro, eh bien, j'ai un vieux Pan ECM 2018 qui date des années 80, de brancher sur un petit Yazu FT450AT qui a bien 14 ans. Et je suis sur antenne verticale, une Sigma Mantova Beat. Conditions de trafic, un FTDX10 avec microphase de maintenant. N70 et une quad cubicale entre 8 à 9 mètres du sol, voilà, avec la sortie du poste. Voilà, du poste actuellement, là, et je dois être en position verticale. Hein. Je ne suis pas en horizontale, hein, je suis en verticale, hein, parce que c'est une double polarisation, hein, QSL. Ok, QSL, 9 plus 10, là, au dernier passage. Ok, ouais, je vois à peu près, là, comment aller. Ah, ça marche bien, hein. Ah oui, ça marche bien. Et puis, pour le poste, pareil, hein. C'est, waouh, c'est du téléphone, là, je dirais même, en retour. Ah, j'ai encore l'ancien matériel, hein, parce que j'ai modulé aux années 70-80, ouais, 80, ouais. Attends, 70, ouais, fin 70, début 80,
J'ai toujours une galaxie Saturne avec un tourneur Estandard 500 qui est devant moi, mais par contre qui est légèrement décalé et qui fonctionne plus très bien à la base. Voilà, des années qu'on avait là. J'ai aussi un président Jackson qui ne fonctionne pas. Bah, du coup, avec depuis qu'il y a eu le confinement, je me suis remis à moduler et racheter du matériel que j'adore. Avec USL, vive le confinement. Hachi. Ah ben moi je suis là-dessus, là, sur les ondes depuis 1982. Voilà. Si j'ai fait une pause, on va dire qu'elle a duré à peu près 6 mois. Et il fallait que je revienne vite là-dessus. Donc là, c'est pratiquement du non-stop depuis 1982. Bon, j'ai commencé sur le Loiret, sur Orléans, voilà, pour être plus précis. Passage sur Tours, après dans Bordeaux, et là à la campagne depuis bien 15 ans, oui, à la campagne. Là à côté, entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille. Retour. Nicolas, stand-by. Oui, enregistré. La propague a tourné. J'ai perdu la station 14 Papa Alpha Tango. Zut, j'ai oublié le numéro. Je l'ai perdu. Bon, mais les 73 à vous. Si la station m'entend, les 73 et bon QSO, bon DX de votre côté, puisque là, ça a tourné. La station qui vient d'arriver, les 73 à vous, 14 km, 33-01, Rémi, entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille. Wow, c'est alors, il y avait un bon Santiago 5-6, j'ai vu tout à l'heure, pour descendre à 3. Ouais, la propague est en train de jouer un petit peu, là, ça fait le yo-yo. Bon, en espérant que de votre côté, vous n'ayez pas trop chaud, là, pour nous, sur la Gironde, là, sur mon secteur, c'est du 41 degrés, et demain, il devrait faire encore plus chaud. Retour, le micro. Et ben voilà, j'ai perdu. Ok, je vous avais perdu, ça y est, c'est remonté. Ok, j'ai eu le principal, je pense. Il y a des grosses chaleurs de votre côté, mais c'est quand même supportable. À nous, là, c'est du feu. C'est dehors, c'est carrément du feu, au point que j'avais pas trop envie de prendre le micro là aujourd'hui, malgré que la propague était là. Et puis j'ai fini par craquer. Je me suis dit, attends, c'est quand même les départements français qui passent. Là, je comprends ce qu'on me dit. Hachi. Du coup, j'ai craqué, j'ai quand même pris le micro. Hachi. Et pour la petite anecdote, en ce moment, on a le Québec derrière qui nous entend. Hein. J'ai un message justement d'un ami 9 Bravo Charlie 555 qui lui entend la France de son côté. Il m'a envoyé une petite vidéo comme ça en message perso et il appelle, mais bon, c'est pour le moment, c'est à sens unique, à moins que d'un seul coup là ça s'ouvre, mais bon, là tout à l'heure c'était à sens unique en tout cas. Ok, ouais, c'est étonnant, parce que c'est vrai que le Canada ça fait un bout de temps que j'ai pas entendu, hein. Moi, depuis le mois de janvier, j'ai pas entendu, mais quelques semaines qui les entendent. Des fois ça arrive un peu souvent quand même, qu'on arrive à entendre une division puis que ça retourne pas dans le sens. Bon, en tout cas, je sais pas si c'était en fixe ou en mobile aujourd'hui, mais c'est le signal du 9, c'est pas du tout, mais c'est très très bien. Et puis pour enfant, bah, j'étais abîmé, bah, pas sur la bonne direction, parce que je suis avec la directive. Quand tu m'as dit que c'était toi, j'ai abîmé un peu sur toi. Et tu m'as dit que ça avait chuté, donc j'ai remonté, et puis a priori c'est revenu comme... C'est moi qui comme, percute. Donc c'est revenu du téléphone. La dernière fois que je t'ai copié,
C'était sur le périphérique de Bordeaux, on était sur le 19. Ok, c'est maintenant que je percute. Ah oui, d'accord. Ah, je suis trois coups. Waouh, là j'étais un petit peu... voilà, là, j'ai les neurones là qui sont embouillis avec la chaleur. Hachi. Ok. Ah bah oui, ah, là c'est du téléphone, là c'est clair, là ça passe là. Oui, je me souviens. D'ailleurs, si tu le permets, là je suis en train de faire une vidéo en ce moment. Tu pourras voir dessus là ce que ça donne. C'est là, c'est du, ça passe comme comment ils disent les Québécois, une tonne de briques. Ouais, je crois que c'est ça. Et pour le Québec, si la semaine dernière, il y a eu quelques brefs passages. Hier après-midi, j'ai entendu juste un appel, puis après, c'est du furtif là en ce moment. C'est très furtif. Hein. Si tu regardes les vidéos de 9 Bravo Charlie 555, tu verras que là, il a eu quelques contacts avec la 14. Mais bon, c'est surtout vers le nord, hein, par là, que ça passe. Ben, comme à chaque fois, hein, quand ça commence à passer entre le QTH 14 et le QTH 9, c'est d'abord la partie nord de France, et puis après, bon, ça descend. Retour. Ça va, parce que on a entendu parler dernière, donc c'était pour voir si c'était pas le ami canadien, mais j'ai pas réussi à entendre le texte assez longtemps pour voir si c'était pas, puis là, j'ai pas entendu. Non, mais c'est vrai que j'étais là, il me semble, si je me trompe pas, l'année dernière, on a commencé à les entendre pratiquement tous les jours, c'était à partir du mois de septembre. Donc ça va revenir, on va pouvoir refaire le sécurité pratiquement tous les jours avec le c'est canada. Clair. C'est vrai que c'est pratiquement tous les jours qu'on est mis tous les jours. Bah, je viens bien sans patron. Là, bah, là, je suis un petit peu tôt, là. Ah, c'est pas le canada, mais l'Italie derrière. Oui, affirmative. Hop, là, j'ai entendu le bip. Bip qui queen. Ah, chi. Merci pour le retour. Oui, non, mais là, c'est vrai que là, pour le moment, c'est un petit peu, c'est très sporadique. Alors, cet été, on n'a rien compris à comment la propague a fonctionné. À croire que le cycle, là, on est presque au sommet. Le sommet de ce cycle, je crois que c'est 2025, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. Je sais plus, il faudrait que je regarde, mais il me semble que c'est ça. Mais là, c'est bizarre. C'est à croire que là, en ce moment, sur la propagété, elle est tellement forte que du coup, ça nous fait du n'importe quoi et surtout du sporadique. C'est très particulier. L'année dernière, c'était pas comme ça. C'était beaucoup plus stable. C'est bizarre. Enfin bon. De toute façon, on la prend comme elle est et puis on en profite à ce moment-là, c'est clair. Hachi, retour. Ouais, mais c'était l'année dernière, ça. Affirmatif, hein. On prend ce qui est ici, hein. Et bien là, même pour la preuve que la propagation est bien bizarre, hein, parce que c'est trop bien, là, tu me l'as dit, mais c'est bien du côté de Bordeaux, hein, si je ne me trompe pas. Et là, tout en fond, là, je suis bimé à 270 degrés, hein, donc ce qui veut dire, je suis bimé sur la ville de Rennes, les Antilles et tout ça. Quand je m'étais bimé sur Bordeaux, quand j'ai redescendu, bah, c'est là que tu ne m'entendais plus. Donc tu vois bien que la propagation, elle fait ce qu'elle veut, elle est tout bizarre. Il y a des fois, ça va marcher du tonnerre une journée, puis après on va être 15 jours sans plus rien avoir. Et pourtant, d'habitude, l'été, c'est toujours à fond la caisse.
Ouais, la propagation est un peu bizarre. Mais bon, comme tu dis, on l'apprend, il n'y a pas de problème. Oui, parce que pour être bimé comme il faut, on va dire, il faudrait que tu tires sur, depuis ton QTH, que tu tires sur, sur Saint-Émilion, de ce côté-là. Alors, attends que je regarde un peu, là. J'ai ouvert la Google Map. Alors, ok, tu es donc de ce côté-ci. Ouais, voilà, ok. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, allez, ouais. On va pas chipoter Bordeaux, c'était déjà pas mal. Bon, je suis à quoi? Je suis à 50 km à l'est de Bordeaux. Enfin, 50 km à l'est par la route, bien entendu. Et ouais, ben ouais. Comme quoi, hein, c'est, ça fait bien ce que ça veut, quoi. On serait tous les deux en directive, qu'on pourrait presque parler de rétro-propag. Mais là, sur antenne verticale, non, ça. Ça serait un gag que de dire ça, quoi. Je crois que c'est l'Italie qui est derrière. Ah ouais, c'est clair. C'est en Espagne, une passeport. Ah, Espagne. C'est bizarre, comme tu dis, oui. Ok. Pour moi, normalement, j'aurais dû me donner sur 220 minutes. C'est pas dans. Normalement, entre 220 et 230, quoi. Comme elle n'est pas forcément précise, mais en mettant dans un peu de là, ça a Enregistrer le break. En tout cas, ça continue à passer toujours si fort, c'est hallucinant. Ok, je te cacophonie qu'il y a là. Là, c'était du 55, là, au dernier passage. Voilà, du 55. Alors, il y a une station qui a briqué. Avec ta permission, on va le laisser rentrer. Les 73-51, la station qui est appelée Dundee 33. Voilà, 14 km 33-01 Rémy, sur le département de la Gironde, à côté de Castillon-la-Bataille. Bon, en avant la station qui a appelé Dundee 33. Donc, oui, Dundee 33 de 10 117 Cinéma-Coulommiers. Alors, j'ai compris, il y a l'Espagne ou l'Italie, je ne sais pas, là, qui me fait vachement de bruit derrière. Alors, j'ai compris, le QTH Coulommiers. Ok, les 73-51 retournés, Dundee 33, 14 km 33-01, opérateur Rémi. Voilà, au QRA, là, ce coup-ci, Hachi, à côté de Saint-Émilion, sur un petit village qui s'appelle Sainte-Colombe. Ouais, opérateur, qui est début 117, donc ce premier, très heureux de savoir, c'est la première fois, et très intéressant. Donc, j'opère avec un CRT de 900 et antenne de bâtiment Sirio. Alors, ça, c'est l'anecdote du jour. Depuis une antenne de balcon, comme quoi, quand la propague est là, ben, même avec une antenne de balcon, le DX est possible. Eh bien, ben, très content de t'avoir aussi en fréquence. Hein. D'ailleurs, je suis en train de faire une vidéo, donc tu pourras voir ce que ça donne justement là-dedans. À quel moment de la vidéo, ben, il suffira de fixer l'heure, de regarder l'heure. Allez, 18h25 passé. Donc, il suffira de chercher sur la vidéo là, l'heure, puisqu'elle sera, comme à chaque fois, je l'affiche en haut à gauche de la vidéo, donc ce sera facile de retrouver. Et je suis pas seul, je suis en QSO avec ça y est, ah bah là j'ai l'air malin quoi, et ça le fait pas ça. J'étais en QSO avec, j'ai oublié, je lui repasse le micro qui est bimé complètement sur le côté vers l'ouest, alors que je suis sur le sud-ouest, et c'est comme ça qu'il m'entend le mieux. Retour de micro sur lui, Hachi. Désolé d'avoir zappé ton prénom. Retour de micro sur lui. Yeah, all right.
Ah, j'ai l'Italie ou l'Espagne qui m'arrive, qui m'a complètement surmodulé. Là, j'ai plus rien sorti du tout là. Ah zut, c'est complètement retombé de partout. Il reste quelqu'un en fréquence ? Bon, les aléas de la radio. C'est fait partie du jeu. Bon, ben je sais pas s'il reste quelqu'un en fréquence. De mon côté, ça arrive plus. Hein. Donc les 73 à tous, 14 km avec qui j'étais en QSO, là les différentes stations. 14 km 3301, Dundee 33 Rémy sur le département de Gironde. Et bon QSO de votre côté. Et à la prochaine sur les ondes. 025. Ah oui, 025, 73, 14 km 3301. Bonjour, 14 km 3301, ici c'est 14 Roméo, bravo, Alpha 025 sur le département du Doubs. 73, je repasse à votre écoute. Le département du Doubs, alors j'ai commencé à vous attraper avec un Santiago 4 pour finir un Santiago 9. Comme quoi, donc les 73 retournés, 14 km 3301, opérateur Rémi. En fixe ce coup-ci, par rapport à d'habitude, je suis plutôt en mobile. En fixe sur un petit village Sainte-Colombe, entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille. Alors c'est à l'est du département de la Gironde. Ok pour ça, oui, je connais un petit peu la Gironde, vous pourriez être né. Je suis expatrié, si je puis dire, entre parenthèses, je suis à mes 40, plus de 44 ans, je suis dans le département du Doubs. Voilà, mais je vous reçois dans des conditions excellentes, vous m'arrivez très fort, c'est très clair, ça arrive vraiment très très bien. La propagation est très forte en fin de journée, mais malheureusement, quelquefois, ça... il y a beaucoup de monde en fréquence, c'est pas toujours évident de se trouver une petite place. Hein. Le pronom, vous me redonnerez, s'il vous plaît, il y avait un petit bruit sur la bande et j'ai pas copié, hein. J'ai pas eu votre prénom. Retour à vous. Merci pour le retour. Oui, ça doit être, c'est l'Espagne ou l'Italie qui est derrière, là, qui nous fait pas mal de bruit. Mais bon, c'est le jeu. Hachi. Alors, pour le prénom, c'est Rémi, Roméo, Echo, Mike, Yankee. Rémi. Ok, bien plus pour Rémi. Voilà, je vous ai fait répéter, j'étais pas sûr de moi. Hein. J'avais commencé à écrire le prénom, puis malheureusement, nos amis, ça doit être espagnol ou italien, je sais pas, j'entends un brouhaha derrière. C'est pas toujours évident. Hein. Mais vous passez quand même au-dessus dans de très bonnes conditions. Hein. Je sais pas ce que vous avez comme matériel. Moi, pour ma part, c'est un Yazoo 857 avec le micro d'origine. Hein. Il date de 2007. Voilà, 2007, j'ai depuis 2007, apparemment, ça fonctionne toujours dans de bonnes conditions. Vous me direz ça par retour de micro. Si vous me retirez avec une modulation correcte. Alors, et en fait, c'est une deux loupe deux éléments. La température ici de 32-33 degrés sur le bord de ma fenêtre avec les côtés nord. C'est pas le côté où il y a le soleil qui donne le plus. Voilà, c'est un petit peu privilégié par rapport à la chaleur. Je suis dans une petite pièce où il fait meilleur vivre qu'ailleurs. Voilà, Rémi Bernard, à votre écoute. Ok Bernard, merci pour le retour. Eh bien, de mon côté, au niveau température, c'est du 40-41. Là, c'est du feu ici et demain, il devrait faire encore plus chaud. Et pour les conditions de trafic, eh bien, je suis avec un petit 40 canaux AM, hein, voilà, qui doit sortir quoi, 0,5 watts en AM. Hachi ? Non, je plaisante. c'est un Yazoo FT450AT qui a bien 14 ans là maintenant déjà, mais qui fait toujours le job, qui fait toujours bien son travail. Et au niveau antenne, je suis sur antenne verticale, une Sigma Mantova 8, qui est pas très haute, hein, qui est à 9 mètres de haut. Ok, allez, bien pris pour les conditions. Au prochain passage, vous me direz au point de vue modulation si c'est correct de mon côté. Hein. Donc, il y a vu, commence à avoir de l'âge. On m'a signalé que j'avais une petite, voix qui était, une petite déformation dans la voix, mais je ne sais pas si ça vient pas de la propagation qui est très très forte. Et ça arrive vraiment très costaud. Hein. Voilà, Rémi, retour à vous. Alors, j'ai même monté un petit peu le volume pour voir comme ça. J'ai rien senti de particulier dans la modulation. Bon, c'est une modulation qui tire un petit peu dans les médiums, mais qui est très propre, très très fluide. C'est, il n'y a pas de, ça manque pas. C'est une modulation qui passe par un décamétrique. Et donc il n'y a pas de saturation ou quoi que ce soit dans la modulation, c'est propre, net, sans surplus. Voilà, tout ça pour dire ça, quoi.
De mon côté, je suis sur un vieux micro préampli CB, un vieux Pan ECM 2018 qui date des années 80 et qui, ben, lui aussi, fait toujours son travail, et tant mieux. J'ai de la chance qu'il se soit bien adapté, ou plutôt qu'il fonctionne bien avec le poste, car bon, ils n'ont rien en commun l'un à l'autre. Et bon, le gain n'est pas très poussé non plus. Juste un peu au-dessus du micro d'origine, mais je cherche pas plus parce qu'après ça fait dégueulasse, surtout sur ce genre de poste. Sur un poste CB ça passe, mais sur ce genre de matériel, dès qu'on pousse un petit peu trop, ça va plus. Ça sature l'étage après à l'intérieur et ça fait plus de bon travail. Que là c'est juste un petit peu au-dessus de celui d'origine, pas plus. Quoi. Retour. C'est parfait, hein, je ne change rien, de mon côté c'est très, très agréable à l'oreille. J'ai basculé sur mon petit azu et je suis passé un petit peu plus dans le grave. Je pense que ça doit être un petit peu plus rond et c'est moins peut-être moins dans les aigus. Vous me direz votre avis au prochain passage. Je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de contacts dans l'après-midi, moi j'en ai fait quelques heures. Ok Bernard, merci pour le retour. Oui, effectivement, mais c'est vraiment, vraiment à peine sensible. Mais bon, pour le DX, du trop grave, après, c'est pour ma part, hein, c'est que mon avis, je trouve pas que ce soit bon après. Ça oblige à tendre, surtout quand il y a pas mal de surmodulation derrière en ce moment même aussi et tout. Vous passez au-dessus, quoique, quand là le sud commence à prendre les micros, là ça devient un peu compliqué. Mais là, c'est la modulation est parfaite, hein. C'est du 50. Zut, le signal j'ai oublié. C'est une bonne radio de 5, bien propre. C'est bien pur. C'est oui, c'est du téléphone. Hein. Oui, c'est du téléphone. Retour. Ok, merci Bernard. Alors oui, je suis au courant là pour la petite pointe de Larcel qui apparaît là de temps en temps là de mon côté. Alors pour une meilleure écoute de mon côté, j'ai un filtre DSP, un BHI de brancher entre le poste et le haut-parleur. Et l'inconvénient de ces filtres BHI, c'est que j'ai un petit retour qui se fait dedans. Si je branche en direct, tout le problème est résolu, il n'y a plus de retour, il n'y a plus de tout ça, mais je me prends tout le bruit de QRM derrière dans les oreilles. Et alors c'est un compromis entre avoir le filtre en marche et juste ce léger retour ou trop de QRM d'un seul coup. Hachi, merci pour le QSO, ben, profitez bien aussi de la propague de votre côté. Les 73 14 km 33 01 Rémi, QRZ local sur la Gironde, Dandy 33, et à la prochaine sur les ondes. Et merci pour le QSO. Ok Rémi 73 et bonne fin de journée. Merci, bye. Je tourne le bouton vite. Sinon, c'est pas gentil ce que je viens de dire. Mais si je profitais un petit peu. Bon alors Gilles. C'est que des X. Appel en direction de 9 Bravo Charlie 555 pour 14 km 3301 Rémi qui t'appelle. D'accord. BD, 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 BD.
sait pas d'où ça arrive derrière. 1 Sierra Lima 001, città di Sondrio, confine svizzero, la frequenza 27525. Une propague comme ça, c'est du caviar. Ouf. Ah, je sais même pas où il est. Ah oui. Voilà. Là, canal 5 normal. Canal 5 sup. Il y a quand même plus de monde sur le 5 sup que le 5 normal du côté là de l'Italie. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas trop ça. Bon, est-ce qu'il y a du monde sur le canal de la route? Quoique là, il est 18h40. Il y en a qui doivent commencer à se préparer à aller du côté de l'apéro. Je redescends juste, j'étais sur le canal supérieur, voir un petit peu, faire quelques contacts et tout à droite à gauche. Je redescends là et je tends la perche pour voir ce qu'il en ressort et ça répond de suite. Ça fait le yo-yo, la propague. Elle est là, mais ça fait le yo-yo. Tiens, je parlais du filtre BHI, là, tout à l'heure. Alors, ouais, on me voit l'attraper. Je vais couper... Bon, je vais laisser... Il y a une partie préamplie dedans. Hein, je vais couper juste la partie filtre. Voilà ce que j'aurai dans les oreilles... Sans ça. C'est quand même mieux comme ça. Je suis en position 5 sur 7. La position 7. Ça... Ah oui, ça filtre. Hein. Alors pour ma part, sur le matériel que j'ai, l'environnement QRM que j'ai et tout ça, la position 5 a l'air d'être le meilleur compromis pour moi. Compromis. Je connais d'autres, position 3, et ça va être largement suffisant. Ah, CQ DX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. Ah, je sais. J'arrive même pas à le trouver tellement que c'est dégueulasse. Oh, c'est pas grave. Oui,
Alors ce matin, j'ai fait un petit direct sur YouTube. Oh oh. Zut, j'ai pas le logiciel de lancer. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est en train de rentrer là. Je fonctionne de sortie au parleur qui est là à droite. Là. Et l'ordinateur, le micro d'ordinateur qui est à gauche. Donc il y a quoi? Il y a un mètre entre les deux. C'est pas bon du tout pour la réception. Ça m'affiche de la neige, en gros. Bon allez. Zum Wochenende euch treffen werdet. Ja, da kommt auch der Fritz und der Elmar. Und ich hatte Glück, ja. Ich habe mit dem Elmar, habe ich eben gesprochen. Und jetzt habe ich dich auch noch hier. Ja, also das ist heute, ist das für mich ein kleines Wunder. Ja, also du kannst dir nicht vorstellen. Désolé, mais là, ich comprends rien du tout. Yep.
pas d'écoute. Brouillage, bien. Bien sûr. Ah, il s'en va faire sur le front. Il va s'en va faire. Está hecho una locura, macho. Costa Iónica, que. Alors, je suis sur l'occasion. Alors, beaucoup critiquent les traits des perturbateurs et tout. Mais là, ils sont où? Ils sont sur leur fréquence habituelle, sur leur canal habituel, et non pas sur un canal d'appel. Chez nous, en France, quand quelqu'un fait met le bazar, c'est forcément sur sur les fréquences d'appel. Eux sont sur leur canal habituel, comme les Américains avec le canal 6. Donc, quitte à se défouler, ben, j'ai envie de dire que c'est encore eux qui ont raison. Hein. On n'est pas obligé d'aller dessus si on ne supporte pas. Ce qui laisse tranquille la fréquence DX d'appel et puis le canal 19 d'appel aussi, canal de la route propre aussi avec. Waouh! Plus 20. CQO, CQO, CQDX, appel en direction du Québec-Canada, appel en direction du Québec-Canada pour 14 km 3301 qui lance appel depuis le sud-ouest de France. Traducteur, s'il vous plaît. Bon, tant pis. Vu le bruit, c'est pas mal occupé. Là, il y a de la puissance de développer là derrière. Ah, comment ils sont nommés ce canal? Pour voir Ball? Oh, je sais plus. Ouais, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. C'est un rapport un petit peu avec le jeu, ce jeu extrême là, avec une balle. Sauf que là, c'est un grand coup de watt. Alors, puisque je suis dessus, moi j'ai envie de dire que la CB, c'est fait pour être pratiquée ben, comme on a envie. Si on doit la pratiquer avec, on va dire, un règlement derrière digne des militaires ou radio-amateurs, autant passer la licence radio-amateur.
La CB, pour ma part, faut que ça reste à la bonne franquette, dans le respect des uns et des autres, et dans le sens où, où les gens veulent que ça aille. Mais sans imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Du moment qu'on commence à imposer quelque chose, ça devient plus intéressant. Et là, eux aussi, là, ils sont sur leur canal habituel. Ils dérangent personne. Alors, il y a des vidéos hein, sur eux, là. Canal 6. Canal 6 USA, par exemple. Ça, c'est un nom particulier, hein. Je me souviens plus du nom pour rechercher les vidéos, mais bon, c'est facile à trouver. Sinon, il y en a sur le forum La Paix de Sibi francophone, car il y a un sujet justement sur eux. Enfin, en tout cas, pour que ça passe comme ça en AM, c'est que la propague est vraiment forte. Parce que sans propague, même avec de la puissance, on est sur le 27 mégas. T'as la vache. Bon allez, je vais arrêter la vidéo là. Il est quelle heure? 7h moins 5. Et 73-51 à tous. Bon apéro, bon gastro, bonne soirée. A plus.